Mark. Si je devais réaliser un documentaire, je mettrais en avant notre langue, notre si belle langue tahitienne. J'ai un copain qui habite à Raroya. Le thème de la débrouille, parce que les gens ils n'ont pas de matériel, ils vont mettre le portable sur le poteau de la mairie, on a plein de trucs comme ça. Je verrai un documentaire à la première personne sur des diabétiques, sur la façon de vivre, pas seulement sur l'aspect médical, mais vraiment sur l'aspect psychologique. Le triangle polynésien, notre peuple, comme les aborigines, leur terre, c'est tout ça. On a une autre, ça peut être une maman Thierry qui vend des couronnes en ville, sa vie avec ses enfants. Dans mon film, je vais parler du sport, pour faire motiver les jeunes dans le sport. Un film qui parlera beaucoup plus de la nature, je pense. C'est autour des colliers de fleurs. Je sais qu'il y en a à Wallis, il y en a aussi ici, et il y en a aussi dans l'océan Indien à Mayotte. Et ils sont quasiment faits pareil, avec les mêmes fleurs. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi un petit peu le lien. Ce que mangent vos enfants dans les cantines. Aujourd'hui, on parle de manger bio, de manger local, tout ça. Et nos enfants, dans les cantines, ils mangent des compotes de pommes qui sont importées. La féminité, les femmes. Mettons en avant les femmes, ouais. Dans ton documentaire. Ou les personnes âgées. Ceux qui ont justement, ce savoir, la sagesse. I'm a director. Hey, I'm a director.